Salut guys, bienvenue à Mario 64 de Last Impact. On va aller dans le train. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, on va aller dans le train. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est un nouveau monde ou c'est... Oh yeah! Chou chou man! Tout 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 tout! Oh! Oh! Oh, c'est quoi déjà cette tonne là? Je crois que c'est Mario Party 4. Je crois que c'est un des tableaux dans ma... Un des boards en fait dans Mario Party 4. Mais c'est-tu pour un collectaton de scène rouge ou il y a plus? Parce que pour vrai, ça me fait vraiment penser à Mario Sunshine en fait. The fuck man, Mario, the fuck! Chris Mario était rendu comme une crêpe, man. Je suppose que je vais faire l'émission des 8 Red Coins. Je suppose, man. Non, Mario, oh fuck off! Oh, c'est-tu, man. What the fuck? What the fuck? Yo, j'ai découvert un glitch, man. Yo, non, 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 what the fuck? Attends, ça me tente d'aller expérimenter ça, man. Ok, par là, c'est comme ça. J'ai juste fait. Genre, ah ouais, passe le bateau, don't give a shit. Mario, passe au travers! Non, non, Mario, please don't die. Mario, what the fuck? Where is the Mario? We cannot see. There it is! There's the Mario! Man, moi, je m'en vais par là-bas. Si tu don't give a shit, moi, je m'en vais dans les fonds du tableau! Yes, on explore! Je sais pas où c'est que je peux bien aller avec ça. Ça me donne aucun avantage, après moi, mais en tout cas. C'est quand même le fun que je puisse faire ça. Ok. Tu sais quoi? Je vais faire la mission des 8 Red Coins. I don't give a shit, man. Rendu au stade que je suis rendu, c'est pas mal rendu. I don't give a shit. Là. Je fais les missions qui m'intéressent, puis les missions qui m'intéressent pas. Fait que. C'est quoi, là? On est en train de jouer à Roller Coaster Tycoon? Ben oui, en parlant de Roller Coaster Tycoon, je sais pas. Peut-être bientôt, peut-être, je sais pas encore, mais j'aimerais ça recontinuer mon let's play sur Roller Coaster Tycoon que j'avais fait. Mais pas le 1. Si je continue mon let's play, ça va être le 2. Puis je vais pas faire non plus comme qu'est-ce que je faisais, par exemple, quand je jouais au 1 puis j'accomplissais les parcs. Ça, pour de vrai, cette formule-là, j'ai appris à détester ça. Puis je réécoute mes anciennes vidéos puis je me dis tabarnak que j'aurais pu faire ça beaucoup mieux. Fait que qu'est-ce que je vais faire à la place, si jamais je refais une série de Roller Coaster Tycoon, je vais jouer au 2 justement. Le 2 pour vrai, je le trouve beaucoup plus meilleur que le 1 parce que c'est le 1 mais avec beaucoup plus d'affaires. Y'a-tu quelque chose dans la poubelle ou non? Absolument rien, ok. Mais bref, ouais c'est ça, mais Roller Coaster Tycoon 2 c'est le 1 mais avec juste beaucoup plus d'affaires. Puis, si je faisais un let's play sur Roller Coaster Tycoon 2, ça serait plus un sandbox. Comme, genre construire. What the fuck is this? Ok, une image de Yoshi, mais whatever. Mais c'est ça, ce serait plus comme jouer à Roller Coaster Tycoon 2 en mode sandbox, genre infini d'argent. Puis juste construire le meilleur parc que je puisse faire, genre un beau parc. Il y a un Yoshi qui est là-bas. Oh man, il était ici, Yoshi! Viens t'as ici, mate! Oh yes! Là, lui peut-être qu'il va m'aider à collecter des scènes rouges. Who knows? Who cares? Y'avait-tu une scène rouge en haut là? Ouais, y'en a une. Ok. Mon Yoshi il est pogné. Je ne vous niaise pas, je touche les joysticks, je touche les boutons. Il est pogné le tabarnak! Bon ben. Je peux-tu sortir de Yoshi au moins? Fuck. Ok, good. Je pensais que j'étais soft lock. What the fuck, Yoshi? What? What the fuck, mate? En tout cas, problème de collision, I guess, mais. En tout cas, whatever. Ok, on va juste aller par là, puis collecter la scène rouge qui était là quelque part. Avec Yoshi, ça va aller beaucoup mieux. Ça, je pense pas que je peux faire ce jump-là avec Yoshi. Sinon, ok, ça c'est le bouton pour sauter de Yoshi. Sinon, je peux faire ça comme ça, puis parfait. Je sacrifie mon Yoshi pour une scène rouge. YOLO! Ça paye out, man, ça paye out. Ok, sont où les autres scènes? Ok, il y en a une dessus la fontaine, là-bas.
Il doit y avoir une scène où c'est qu'il y a comme le merry-go-round là-bas, parce que j'ai jamais encore été explorer le merry-go-round. Logiquement, s'il y a une place que je n'ai pas encore explorée, ben il y aurait une scène. Logiquement, voyons donc, guys, c'est sûr, man. Man, fuck off, man, j'ai... Wow, ok, j'ai collé de mon Yoshi parce que... Where the fuck are the rest of the coins? Au moins, j'espère qu'il y en a pas une en haut de ça. C'est quoi ça, genre, c'est l'orbite? Yo, c'est... Mais allez voir si je peux interagir avec les manèges. Genre, ça, c'est... Ça serait l'orbite, right? Comme à la ronde. Oh, 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 what the fuck? Je savais pas que je pouvais interagir avec les manèges. Ok, il y a une scène rouge sur le merry-go-round. Puis s'il y en a une dessus l'orbite, ben, on est sept. J'ai tout trouvé les scènes rouges. Anytime soon, I guess. Oh, ok, good. Oh, man. Oh, suc. Oh, man. Mario, faut vraiment pas qu'il ait le vertige. Moi, personnellement, pour vrai, dans la vraie vie, je n'ai pas le vertige. Mais ça dépend. J'ai le vertige, mais j'ai pas le vertige en même temps. Si j'avais été, mettons, à la place de Mario en ce moment, ici, j'aurais le vertige. Mais s'il y avait eu des clôtures alentour, j'ai pas le vertige. Dans le fond, grosso modo, si je me sens protégé par la hauteur dont je suis... Ben, si je me sens protégé, ben j'ai pas de vertige. Je sais comme, mettons, je sais pas, moi, je peux faire le Goliath à la ronde. Ok, elle est où l'étoile? Merci de me montrer où l'étoile. Mais, c'est ça, je vous dis, moi, personnellement, je peux faire le Goliath à la ronde, je n'ai pas le vertige, parce que quand tu fais le Goliath, ben, t'es protégé à cause des genres de seatbelts qui sont dessus les wagons du Goliath, justement. Ou les grosses sacs d'eau mauves à pointe calmée. Parfait. Tu sais, je peux monter jusqu'en haut, des glissades mauves, puis glisser tout en bas. J'ai pas le vertige parce que ben les marches, ben ils sont covered up de clôture pour pas que tu tombes, justement. Mais j'ai goût de retourner dans ce machin-là, juste pour le fun. Mais c'est ça, si je n'ai pas de truc qui me protège, ben j'ai le vertige. Comme mettons, je sais pas, je monte des marches dans le vide, puis il y a pas de clôture dans les marches, ben je vais avoir le vertige. Ou même monter une échelle. Pour de vrai, une de mes phobies, c'est de monter une échelle. Je n'aime pas monter une échelle. Oh, j'ai trouvé un truc 7. C'est le bouton qui permet de collecter les scènes arc-en-ciel. C'est juste que je sais pas où c'est que les boutons... en fait, les coins vont apparaître. Ok, il y en a 3, même 4. Une là. Alright, I guess. Ok, parfait. Un deuxième site. Oh, man. Come on. Oh. Ok, good. Il y en avait un quatrième sur l'orbite. Puis le cinquième, I don't fucking know where it is. Bonne chance pour essayer de trouver la scène en 5 secondes. Oh, il est là-bas. Non, Mario Cruz de Colus. Please. Non, non, je vais pas réussir. Oh. Fuck you. Mange marais. J'ai quasiment le goût de quitter pis de revenir, mais à la fois c'est parce que si je fais quit course, exit course, ce jeu-là est crissement mal fait pis il m'emmène jusque-là. Chris, c'est de la merde, man. Ça me tente pas de réapparaître ici. Regardez comment c'est long, ok, pour retourner au troisième chapter, ben au troisième sub-world, si on veut. Il faut que j'aille par là. T'sais, dans Mario Sonic 4, Vanilla, c'est super simple. T'as juste à monter le château, une couple de marches pis d'attit, t'es rendu au troisième sub-world. Là, il faut que je... Si, je dis pas que ces portes-là avaient été ouvertes, ok, good, mais là, il faut que je perde mon temps à aller voir le site canon. Genre, et là, il faut que j'accède dans le canon, puis je me shoot jusqu'à l'usine. C'est fucking long pour rien, man. Il faut shoot là-dedans, alright. En fait, ça, je veux juste vous montrer ça. Parce qu'à chaque fois que c'est game over, ou ben que je recommence à jouer à Mario 64, la Sim Pack, il faut toujours que je fasse ça. Pour me rendre au sub-world que je suis rendu. C'est long en crise, man. I don't give a shit de tout ça. Puis enfin, je suis rendu. Ah, bon ben, on va recommencer ça. On va recommencer les scènes arc-en-ciel. Je vais aller voir c'est quel type de jeu que je vais unlocker. Parce que pour de vrai, les mini-games de Mario Party, à la Mario Party dans... La Simpac, ben c'est mes éléments préférés pour de vrai. Ok, pour pas que j'aille à subir encore toute cette terreur de merde là à réescalader au troisième subworld. Safe state! Let's go! Bon, maintenant je sais où c'est que sont toutes les scènes.
Ok, good. Là, il faut juste que j'aille rapide. Puis tout va bien aller. Comme ça, alright. Speedrunners hates him. Speedrunners hates Historio Jutra, man. Too quick. Too quick, esti. Ok, good. Ok, good. Alright, je prends le coup. Don't give a shit. Speedrunners hates him. Ok, good. Ok. Parfait. Puis pour de vrai, j'ai goût de tester quelque chose, mais... puisqu'il y a un Yoshi dans le monde en Phase 7, là... est-ce que je peux faire quelque chose avec les Yoshi du Merry-Go-Round? Parce qu'il manquait un Yoshi. Puis si c'est comme dans Mario Sunshine... ben, tu peux aller chercher... comme dans Mario Sunshine, tu peux aller chercher un Yoshi puis le mettre justement ici. Puis apparemment, il y a quelque chose qui... ici, il se passe absolument rien ou... j'ai juste une vie. That's it. Ben, au moins, une vie, c'est bien pratique parce que... ben, au moins, j'ai une vie de plus pour pas que je sois game over. Mais sérieux, y'a rien d'autre, là? Si je le mets là-dedans, non? Yoshi, man, Yoshi, tu veux pas aller là-dedans? Bon, ben, je suppose qu'en ce moment, je perds mon fucking temps. Pis ça, ça veut juste dire... oh, attends, avant 2 secondes, je vais juste checker quelque chose. C'est-tu un canon, ça? What the fuck is this? Si je sacre Yoshi dedans ça, est-ce qu'il va être content? C'est-tu un trou pour les Yoshis only? Je sais pas, je dis de la merde, mais pour de vrai, si ça marche, je suis fucking speechless. Non, absolument sweet fuck all. Bon, bon, vas-tu checker quel jeu que j'ai unlocké, man? Pour vrai, moi, ça m'intéresse. Je sais pas si vous, ça vous intéresse, mais pour vrai, c'est mes éléments préférés dans ce ROM-hack-là. Bon, what the fuck is this? Gâteau. Ok, on va cliquer sur gâteau. Maintenant, c'est quoi ça? Please tell me. In cake defense. You protect the cake that Peach baked for you from a horde of hungry Goombas. Ok, puis ça me fait penser à aucun jeu de Mario Party, ça. Oh, the cake is a lie. Oh shit, ok. No one touch my fucking cakes. No you don't. No you fucking don't. Ok, good. Je peux-tu ground pound le gâteau? Non, ça fait absolument rien. Oh man, fuck off. Tu sais quoi, je vais sauter dessus, man. Beaucoup plus simple. Alright. No, don't touch my fucking cake, you bitch ass. I take it personal. I fucking take it personal, you bitch ass. Pour de vrai, les Goombas, ils ont l'air d'aller plus rapidement en ce moment. Fait que, d'après moi, ça va être dur assez vite. Merde, Mario, Chris, saute dessus les Goombas, man. Bon, ok, good, parfait. Il me reste juste 2 de vie. Mais, Mario, man, please, saute mieux sur les Goombas. Ok, je pense que je vais juste rester là puis défendre le coin rose parce que c'est beaucoup plus facile. What the fuck? Allez chier, guys! Puis of course que je récupère pas ma vie! Ah, well... à moins que là, j'ai toute ma vie. Ok, good, j'ai toute ma vie, ok. Parfait. Fausse alerte. Oh, man, no! Don't do it! Non! Si, ne vole pas mon gâteau! Mon gâteau est so precious! Don't steal my precious! Oh, fuck off! Ok. S'il en reste genre 23 à tuer, j'ai juste à sacrifier. Ok. Non, you don't. Bitch, you don't. Ok, good. Parfait, là j'ai juste à me prendre en self-defense. Parfait, et voilà. Puis that's it, 26. I don't give a shit d'avoir un high score dans ce minigame-là. C'était quand même très facile. Ça m'a juste duré 2 coups pour de vrai, mais bon. Je sais pas si les Goombas me font mal, mais il me reste juste 1 vie, fait que je vais pas le tester. Nah, fuck up, moi pas le tester. Fait que, 107 étoiles, oh, one of the hidden stars, of course. Maintenant, il est où le monde? Attends, c'est quoi, quel monde là qui me manque? Le 13? Moi, aller checker ça. Ouais, il me manque le monde 13 à aller chercher. Où c'est qu'il serait? Je crois ce que je pensais que c'était le dernier château du Big Boss, genre. C'est le monde 13, en fait.
Moi, aller checker pour être 100% sûr. Sinon, si c'est exact. Si j'ai raison puis que c'est le monde 13, ben j'ai aucune idée où c'est qui serait le château du Big Boss. Ok, comme j'ai dit, ça, je croyais que c'était le château du Big Boss. C'est peut-être le château du Big Boss aussi, mais. Je sais pas, je vais aller voir c'est quoi, ok? Si c'est le monde 13, tant mieux, I guess, là, mais. C'est quoi ça? Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, man. Je me suicide. J'avais raison, c'est le château du Big Boss, mais il est où le monde 13? C'est juste ça qui m'intéresse à cette heure. Je veux juste aller fucking dans le monde 13. Faut-tu que j'escalade les chaînes qui sont là ou non? C'est pas escaladable? What the fuck, man? Attends. Si je fais du wall jump all day, every day. What the fuck? Oh, man, fuck off. Si moi je glitch le shit. Oh, I don't give a shit, esti. Le jeu me fait tellement assez chier comme ça que c'est à mon tour esti de tricher. Let's go! What is this? Vous voyez la boîte qui est là? What is this? Yo! Oh! LOL! J'ai trouvé le monde 13! Ok, man, what the fuck? Turn off the cooler. Oh! Ah, c'est quoi ça? C'est PC. PC World, c'est... Oh man, est-ce que je me promène sur des motherboards? Oh yes! La Matrix, c'est pas vraiment la Matrix, là, avec les 1-0-0-1-1-0... Non, c'est un monde de PC gaming, whatever, là, c'est... Je me promène sur du filage, pis des motherboards, pis... Oh, fuck, man! Oh, fuck off! J'aurais dû save state. Callish, game over. Of course! Lucky number 13, let's go! Bon ben, vous savez quoi? Faut tout que je réescalade jusqu'au troisième sub-fucking world! Parce que ce jeu-là, il est bon! Bon, maintenant que je sais qu'il est où le monde 13 grâce au cheating, il est environ ici, right? Fait que genre, il est dans le coin, là? Ah, ok. Parfait, j'ai trouvé le monde 13 legit cette fois-ci. Ok. Ok, let's go, certain, man. Moi, je retourne en arrière, là. Je save state. Puis, qu'est-ce qui se cache? Dans, en arrière de la porte numéro 6. Let's go. Oh, ok. Bon, c'est que je suis. I don't fucking know. Je pense que je peux monter ici. Ok, good. J'ai juste à aller là comme ça. Fuck off. Oh non. Ah, oh, ça me ramène jusque là. J'ai pas fait un save state auparavant. Ah. Bon, ben, on va recommencer. Ok, fait que double jump is enough. Ok, good. Parfait. Là, il faut que j'aille par en haut là. Ok. Let's go. Oh, j'ai sous-estimé la distance. Fait que. Ok, good. Fait que save state. 1, 2, 3. Ah, what the fuck, man? Yo, ok, ah, je suis vraiment fucking caf. Calisse. Hey, je ne fais même plus attention à cause que maintenant je... Ok, le safe state! Est-ce que mon écran est fucked up à chaque fois que j'utilise le safe state? Ok, fait que je m'en vais par là. Là, quoi, il faut que je monte ça ici? Je sais pas trop où c'est que je m'en vais, mais... Je suppose que it's good. Je suppose que it's good. Là, c'est quoi? C'est supposé être quoi ça? C'est genre. Une plug pour le Wi-Fi? Non, je dis n'importe quoi. Bon, je m'en vais par en haut là. Ah, backflip! Je l'admettre, là, le remix en ce moment, il est vraiment bon. What the fuck? Oh, fuck off. Qu'est-ce que ça se trouve dans le fond à être la toune qui est en train de jouer en ce moment? C'est, je crois en fait c'est un remix. Ben c'est un remix de du premier jeu de Mario, genre Super Mario Bros sur la NES là, mais je sais pas si ça vient d'un jeu en particulier. Je penserais pas. Je pense que c'est juste un simple remix. Mais le remix est quand même fantastique. Il est quand même bon. Donc au moins il y a ça qui est bon. Oh, ok. Oh shit. Ok, je suis safe. Somehow. What the fuck, Mario? Arrête de fucking jump n'importe où. Fait, oh non. C'est exactement pour de la merde comme ça que je save state.
Ok. Oh, no, you don't. No, you fucking don't. Fait que, je m'en vais par là, backflip, safe state. Backflip comme ça, ça marche. Sinon, si je me tiens ça... Fuck off, Mario, man. Tu me fais chier. Non, Mario, please, don't. What? For some fucking reason, ça marche pas. Mais ça, par contre, ça devrait fonctionner. Alright, fait que safe state. Ok, I do this kind of trick all day, every day. Ah, c'est quoi ça? C'est des acides gros suppositoires? Je ne sais pas, mais je vais faire un safe state. Je pense que je peux faire un wall jump sit, parfait. Puis, là, je m'en vais sur le truc bleu. Là. Ok, good. Je m'en vais-tu à droite ou à gauche? Je pense que je m'en vais par en haut, là. Y'a une étoile, là. Ok, parfait. Faut juste que je passe les autres suppositoires, puis I'm set. Je sais, c'est pas des suppositoires, là. Je sais, ça se trouve à être... c'est des trucs qui dépassent dans certaines... certaines boîtes d'ordinateur, là. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, là, mais... Oh, fuck off! Ça faisait un bout en plus que j'avais pas... Ah! Fuck, man! Faut que je save state plus souvent! Sinon, je fais de la merde. Alright, there we go again. Ici, parfait. Là, j'ai juste à prendre mon fucking sweet time. Y'a no fucking rush! Y'a no fucking rush! À part quand que je save state, là, mais... Ça, c'est une autre histoire. Ok. Double jump is enough. Mario, for fuck's sake. Ah, parfait. Je sais pas quel type de manœuvre j'ai fait là, mais it's good. Vous savez quoi? Normalement, j'arrêterais ici, mais on va faire un épisode un petit peu plus long. Je vais aller collecter une autre étoile, une dernière étoile. Je sais pas. Ok, climb the cables. C'est ça que j'ai fait. Turn off the cooler. On va faire celle-là. Il faut que j'aille par là apparemment. Puis il faut que je monte encore plus de shit. Oh yes. Ok, on va faire cette étoile là. Why the fuck not, man? Fait que là, par où qu'il me disait d'aller? Je pense que c'était par là. Ouais, exactement. Apparemment, il y a aussi une mission des Hatred Coins dans ce tableau là, mais what the fuck, Mario? The fuck, man? J'ai jamais dit à Mario de décaliste du ledge, ça va être une bonne idée. En fait, j'ai dit à Mario d'avancer par en avant, justement, pour qu'il monte le ledge. Mais pas pour qu'il se décalisse en bas, man. Ok, bon, là, c'est une switch, hein? Je peux-tu turn off the power? Non? Ok. Qu'est-ce que c'est ça, là-dedans, man? Des fucking tuyaux à n'en plus finir. Je pense qu'il faut que j'aille par là, man. Me semble que la cutscene m'a dit d'aller par là-bas. La mission des Hatred Coins a de l'air vraiment facile, mais ça me tente pas de faire ça, man. Surtout pas aujourd'hui. Oh boy. Oh. Ok. Ça... Oh, ok, good, ça marche. Alright. Fait que j'ai juste à monter ici. Aller là. Parfait. Oh, ouh, parfait. Donc, là, par où faut que j'aille? Par là, ok. Faut-tu que je... turn off the switch? Puis je le sais que... Je pense que ça, c'est une switch, mais si je tombe dans la mort. Donc, safe state, ça me tente pas de mourir. Ok, ça me tente vraiment pas de mourir. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Ok. J'étais pas sûr, fait que c'est pour ça que j'ai safe state. Fait qu'au lieu que le jeu me triche d'en face tout de suite, ben... Fucking crève. Oh my god, son accuracy est fucking... accurate. Son accuracy est fucking accurate. Let's go, Gab. Vocabulary 101, ok. Toi là, crève! Yes! Ok, ça, j'ai juste à faire un triple jump is enough. Ok. J'ai trouvé la ship! J'ai trouvé la ship, man! L'électricité qui est là, est-ce que ça me fait mal ou... Non. L'étoile est juste là. En tout cas, je sais pas si c'est cette étoile là en particulier qu'il faut que je ramasse là, mais... Easy! Je peux-tu backflip? Oh, of course que l'étoile faut qu'il soit fucking haut. Genre, c'est comme...
juste out of reach, hein, juste comme pour te faire chier un petit peu, mais juste enough pour que tu fasses une crise de manœuvre fucking bizarre, pis que t'aies encore plus de chances de tomber dans le vide. Tu sais quoi, en parlant de tomber dans le vide? Safe state, je me fais pas confiance. Oh man. Calice. D'après moi, il faut que je fasse un triple jump wall, jump. Ouais. 1, 2, 3. Ou juste ça. Alright, c'est bien correct. Ok, fait que ça, c'est fait. Turn off the cooler, c'est exactement cette étoile-là qu'il fallait que je fasse. Et puis, je vais arrêter ça là pour aujourd'hui parce que je crois que cet épisode-là va être une petite affaire plus longue que la normalité. Fait que. Guys, c'était Historio Jutra. Et puis, on va se revoir à la prochaine épisode de Mario 64 Last Impact. See you guys then!